C'est l'heure des journaux sur la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à la une. Le Conseil des ministres est tenu au cours de cette semaine à adopter un projet de décret portant concession de l'ex-marché central de Bujumbura et vous aurez les détails au cours de ce journal. Le Ravé Nyarubi, se trouvant dans la ville de Rumonge, menace une cinquantaine de familles vivant au bord de ce ravin. Ils déplorent qu'ils n'ont pas été secourus depuis plus de 10 ans et ils demandent une intervention rapide. Tout de suite, les détails. Bienvenue une fois de plus, chers téléspectateurs. Débutons ce journal avec la page gouvernance. Le Conseil des ministres, tenu au cours de cette semaine, a adopté un projet de décret portant concession de l'ex-marché central de Bujumbura. Et Prosper Narugwamiye, le secrétaire général du gouvernement, dit que la banque des femmes et celle des jeunes ne peuvent pas figurer parmi les actionnaires parce qu'elles ne remplissent pas les conditions suivies. Le projet de convention de concession fixe le cadre juridique de la concession. Il détermine les droits et obligations respectives des parties, notamment l'objet de la concession, les conditions financières de la concession, la gestion et le transfert de terrain concédés, la durée de la concession et la résolution des différends. L'adoption du projet de décret portant concession du terrain permettra la signature de la convention de concession. Ce projet indique que les dimensions du terrain concédé précisent l'objet de la concession et spécifient que le terrain reste une propriété de l'État. Le projet de décret portant autorisation de l'État du Burundi à participer au capital social de la société Mukaza Business Center fixe les apports de l'État à 10% du capital. S'agissant du pacte d'actionnaires, il fixe le mode de gouvernance de la société Mukaza Business Center tel que convenu entre actionnaires, c'est-à-dire la composition et le mode de désignation du conseil d'administration ainsi que le mode de recrutement du directeur général. Après analyse et débat, ces projets ont été tous adoptés avec, entre autres recommandations, si le projet de convention précisait que les délais dans lesquels les activités qui sont menées dans le périmètre de terrain doivent avoir déménagé, faire transparaître les obligations des deux parties dans la convention, mentionner dans le texte qu'à partir du démarrage des activités commerciales, la société verse à l'État, à titre de loyer, une redevance annuelle suivant la loi en vigueur au lieu de préciser les montants. Sur le projet de décret portant autorisation de l'État du Burundi à participer au capital social de la société, préciser comment le capital sera progressivement libéré. Supprimer la disposition qui limite la participation de l'État à 10% du capital. Sur le pacte d'actionnaires, indiquer les dimensions du terrain. Mentionner que le capital social est de 60 milliards en spécifiant qu'il y aura la libération de 6 milliards dans la première phase pour les études de faisabilité. La Banque des femmes ainsi que la Banque d'investissement des jeunes ne peuvent pas figurer parmi les actionnaires car elles ne remplissent pas les conditions. Je vous disais en titre, le ravin Nyarubi, se trouvant dans la ville de Rumonge, menace une cinquantaine de familles vivant au bord de ce ravin. Ils déplorent qu'ils n'ont pas été secourus depuis plus de 10 ans. Et Jean-Jérémy Bidimana, administrateur communal de Rumonge, déclare que des appuis financiers sont en train d'être mobilisés pour aménager cette ville menacée par plus de 10 ravins. Jean-Pierre Missago. Après plus de 10 ans qu'ils sollicitent une intervention de la part des pouvoirs publics, les riverains du ravin Nyarubi de la ville de Rumonge attendent désespérément des actions concrètes après des promesses de leur déménagement vers un autre lieu plus stable, des promesses qui n'ont pas été jusqu'à présent concrétisées. Hussein Iberahino, habitant la localité bien avant le début de ce phénomène de ravinement,
consécutifs à des aménagements de maisons en amont qui n'ont pas pris en considération le volume d'eau à y écouler, d'y être inquiets pour leur sécurité et demandent une intervention rapide, craignant la complication de leurs conditions de vie avec le début de la prochaine saison pluvieuse. Nous vivons dans la peur car nous savons bien que cette saison pluvieuse qui s'annonce ne va pas nous laisser intacts. Les eaux de ruissellement dans ce ravin sont plus intenses. Il y avait des parcelles et la route qui facilitait la circulation. Nous vivons dans la peur sans savoir à qui s'adresser pour nous secourir et sans moyen d'acheter d'autres parcelles. Jérémy Bizimana, administrateur communal de Rumonge, dit que l'heure est à la recherche des appuis financiers car la commune à elle seule n'est pas en mesure d'aménager ses ravins. Nous sommes à la recherche du moyen pour protéger les citoyens. Pour un citoyen qui perd son logement suite au changement climatique, c'est déplorable. Nous faisons ce travail car nous avons vu que ce sont des gros ravins dont l'aménagement dépasse la capacité de la commune à elle seule. Au regard des promesses déjà obtenues, notamment de l'Organisation internationale des migrations pour l'aménagement d'une bonne partie des ravins menaçant les quartiers de Mugomere et Birimba, cette autorité communale espère que même d'autres appuis financiers seront obtenus. Au total, 13 ravins, dont 6 plus gros, menacent les habitations dans la ville de Rumonge, selon l'administrateur communal de Rumonge. Présentation des réalisations du ministère des Affaires étrangères pour la période budgétaire 2021-2022. Ce vendredi, c'était lors d'une conférence de presse tenue par le ministre Albert Shingiro à l'endroit des journalistes. Selon lui, plusieurs projets qui concernent la coopération, la diplomatie et l'éducation ont été bien menés au cours de cette période. Suivez-le. S'agissant des gains politico-diplomatiques enregistrés dans la période sous considération 2021-2022, je citerai entre autres la levée des sanctions contre le Burundi par les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, et la levée du Burundi de l'agenda politique du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et du Conseil de sécurité des Nations unies. Le Burundi s'apprête à prendre la présidence de la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, lors du sommet des chefs d'État de notre organisation commune qui se déroule à Arusha, en Tanzanie, à ce moment, en présence de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui sera, comme vous le savez, président d'exercice de l'EAC dès aujourd'hui. S'agissant de la promotion de la coopération bilatérale, nous avons organisé plusieurs visites de travail au plus haut niveau et au niveau ministériel qui se sont soldées par la signature de plusieurs accords de coopération avec d'autres pays dans des domaines variés d'intérêts communs. Dans le cadre d'assurer le suivi de la mise en œuvre de ces accords, des formalités relatives à l'adhésion, à l'entrée en vigueur des traités, conventions et accords, à la ratification et au dépôt des instruments de ratification requis ont été effectués. Au cours de la période sous revue, j'ai présenté à l'Assemblée nationale et au Sénat plusieurs projets de loi dans les domaines variés. Certains projets ont été ratifiés, d'autres suivent encore le processus normal de ratification. S'agissant du domaine de l'éducation, environ 150 bourses et 50 formations professionnelles ont été négociées et obtenues auprès des partenaires au développement du Burundi durant la période sous examen. Au chapitre des relations de bon voisinage, la nouvelle politique étrangère du Burundi met en avant la promotion des relations de bon voisinage avec tous les pays du monde en général et tous les pays de la sous-région en particulier. C'est dans ce cadre que nous avons mené et animé des contacts diplomatiques visant la normalisation des relations d'amitié et de coopération avec notre voisin du Nord, le Rwanda. Le processus de normalisation des relations avec ce pays frère avance normalement et il a atteint
un niveau très satisfaisant. Le point de chute de ce processus en cours sera la remise par la partie rwandaise des putschistes burundais de 2015. C'est le seul point qui reste en suspens. Lancement du concours des meilleurs projets des jeunes au niveau de toutes les communes du pays ce vendredi. Plus de 3000 jeunes au niveau national se sont inscrits à ce concours. Désiré Manila Kidza, coordinateur national du programme d'automisation et d'emploi des jeunes, PAYAGE, informe que les deux projets les plus innovants seront sélectionnés pour concourir au niveau provincial le 29 de ce mois. Au niveau du PAYAGE, pour sélectionner les jeunes, nous procédons à une pluralisation des critères. Il faudrait que le projet que le jeune propose soit un projet innovant et pertinent. Le PAYAGE est un programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes. Tout jeune qui dépose un projet au niveau du PAYAGE doit d'abord penser au nombre d'emplois que le financement va permettre de générer. Il faut que ce projet contribue à la croissance du Burundi. Tout l'argent qui est dépensé ou alors qui sort des caisses du PAYAGE doit pouvoir permettre de satisfaire à ce double objectif, à savoir la création d'emplois et la croissance économique. Il faut que le jeune soit dans la catégorie des jeunes, c'est-à-dire il faut qu'il soit âgé de 16 à 40 ans. Il faut qu'il ait la capacité à pouvoir piloter le projet. Il y a des jeunes qui, probablement, ils peuvent avoir l'ambition de déposer un projet, mais ils peuvent ne pas avoir la capacité à le piloter. Et c'est en posant des questions qu'on se rend compte que c'est un jeune qui est doté d'un leadership assez important, qui va permettre de gérer le projet. Il y a d'autres éléments liés fondamentalement au projet. Il faut que ce soit un projet réalisable et donc un projet réaliste. Le projet doit également être réalisable dans un court délai, 6 mois. Et le projet doit également être comptable. On doit pouvoir savoir exactement combien il te faut pour réaliser le projet. Vous avez certainement constaté que nous avons une représentation jusqu'au niveau des communes. Tous les animateurs communaux du PAYAGE vont être formés en coaching et en accompagnement des projets de développement. Parmi les jeunes qui ont déposé les dossiers aujourd'hui et qui sont en train de présenter leurs projets, nous allons retenir 10 projets par commune. 2 d'entre les 10 vont être financés, moyennant bien évidemment la restructuration de leurs projets. Mais les 8 qui restent vont également recevoir une formation au cours de laquelle nous allons les aider à mieux élaborer leur business plan. Et ce sont ces projets d'affaires qui vont être soit publiés sur les plateformes du PAYAGE afin que les jeunes puissent bénéficier des financements, ou alors on va certainement aider ces jeunes à entrer en contact avec de potentiels, je dis bien de potentiels financeurs. Je ne dis pas que nous allons certainement trouver des financements, n'est-ce pas, pour ces 8 projets, mais on va aider ces jeunes à avoir des projets, des dossiers présentables, susceptibles d'être récupérés par d'autres financeurs. Alors, au niveau national, jusqu'à hier, lorsque nous avons clôturé les inscriptions, on était à plus de 3100 jeunes qui s'étaient déjà inscrits. Alors, parmi les 3000, il y avait plus de 1000 qui s'étaient inscrits via les plateformes en ligne du PAYAGE, et on avait sensiblement plus de 2200, n'est-ce pas, jeunes qui s'étaient inscrits via les communes à travers tout le territoire. En international, près de 950 000 enfants de moins de 5 ans et 134 000 femmes enceintes ou allaitantes souffrent de malnutrition selon les chiffres officiels de juin. Et nos confrères du journal African News disent que cela est causé par la désertification dans l'une des régions désertiques du nord du Kenya. Images et commentaires. Dans l'une des régions désertiques du nord du Kenya, les habitants sont contraints de se nourrir de baies sauvages pour lutter contre la faim. Ces derniers n'ont pas vu une goutte de pluie depuis 3 ans. Conscient des risques de ces denrées pour ses enfants, Loka Metir n'a pourtant pas d'autre alternative pour survivre. Nous sommes habitués à notre situation maintenant. Nous ne savons pas comment cultiver et tous nos animaux ont été tués par la sécheresse. Nous attendons juste de mourir de faim ici. Manger ces baies est le seul moyen que nous connaissons pour survivre. Je nourris mes enfants avec parce qu'il n'y a rien d'autre à leur donner. La Corne de l'Afrique connaît sa pire sécheresse depuis 40 ans, ce qui a laissé au moins 18 millions de personnes dans une situation de faim extrême au Kenya. Cette condition concerne 4 millions de personnes. Cette fois-ci, la sécheresse est mauvaise. Avant, elles étaient séparées par de nombreuses années. Dans le passé, les sécheresses arrivaient, plus d'animaux survivaient que mouraient. Et ceux qui survivaient se rétablissaient après la pluie et nous fournissaient du lait et de la viande. Aujourd'hui, lorsqu'une sécheresse survient, elle peut durer 3 ans,
jusqu'à ce que tous les pâturages soient asséchés. Lorsque le bétail meurt, les humains meurent, car notre vie dépend des animaux. Quatre saisons consécutives de pluies insuffisantes ont créé les conditions les plus sèches depuis le début des années 80. À Purapul, les villageois tirent de l'eau d'un puits insalubre. L'eau est en train de nous tuer, elle n'est pas propre, les singes la boivent, elle est contaminée par des vers et n'est pas potable. Le puits est profond, des enfants sont même tombés dedans, trois ont été sauvés, mais un enfant s'est noyé. Près de 950 000 enfants de moins de 5 ans et 134 000 femmes enceintes ou allaitantes souffrent de malnutrition aiguë dans ces régions désertiques du nord du Kenya. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.